Et salut les Apaches, ici c'est Shiva et on se retrouve pour un nouvel épisode de Luigi's Mansion de Dark Moon sur Nintendo 3DS. Alors Luigi, où vas-tu aller? Alors ça doit être l'épisode 19 ou l'épisode 20, je ne sais même plus, et peu importe. On va y partir, donc mine des mystères, les promoteurs ta mère, machin truc. Le fond du trou. D'après le rapport de mon assistante, les fantômes, notamment les boues, sont très actifs dans la mine. Voyons ce que nous pouvons apprendre de l'image qu'il a rapportée. Ah, te voilà mon garçon. J'ai fini de décrypter l'image prise par mon système de surveillance. Je te propose d'y jeter un œil. Apou! Oh bah comme d'hab, hein, la petite image tridimensionnelle. Nom d'un microscope. Regarde, ces fantômes sont prisonniers des cristaux. Les boues en sont-ils responsables? Quel peut être leur but? Hein, les pauvres fantômes? Moi je sais ce qui se passe, j'ai compris. Tiens, regardez, il y a toujours le tableau là-haut. Ils ont apporté ce tableau d'un bout à l'autre de la vallée des ombres. Et bien qu'ils le tiennent à l'envers, on suppose que c'est toujours notre brother, motherfucker. Le responsable de cette crise doit beaucoup tenir à cette œuvre. Bah, tu m'étonnes. Ne pécho pas Mario qui veut, hein. Et buh. Eh, hey, y'a des thunes là, les thunes! Je sais pas, ils pourraient me dire que c'est mon pourboire ou quelque chose comme ça. Dans son rapport, mon assistante laissait entendre que les cristaux auraient des vertus énergisantes. Ouais, ils sont en train de leur faire une cure de trucs de ouf. Je sais pas si vous avez compris ce qui se passe, mais moi j'ai compris, même si j'en ai un peu parlé hors jeu, faut le dire. Mon assistante avait raison, les boues sont décidées à semer le chaos. On dirait qu'ils sont en train d'extraire des cristaux de la carrière. À quoi ces cristaux vont-ils leur servir? Je n'aime pas ça du tout. Et moi non plus. Ok, il y a tonneau, pourquoi? Putain, on peut pas zoomer sur le tonneau, c'est quoi ce zoom foireux? Cette ombre, est-ce que tu la reconnais? Non, ce n'est que le fruit de mon imagination. Ah bah... Moi, je sais très bien ce que c'est comme ombre. On la voit dans mon générique à chaque fois et elle est sur la jaquette du jeu, donc forcément, ça aide. Et puis, on l'a aperçue la dernière fois de loin. Hein. Je suis formel. C'était bien le roi Boo. King Boo, à ne pas confondre avec le Big Boo de Mario 64. Ça ne me plaît pas, Luigi. Ça ne me plaît même pas du tout. Pourquoi ces boues enchassent-ils les fantômes dans les cristaux? Et qui donne les ordres? Se pourrait-il que le rire que vous avez entendu dans la mine soit celui de leur chef suprême? L'image a été enregistrée juste avant ton arrivée. Je pense donc qu'ils sont encore sur place. Le seul moyen d'en avoir le cœur net, c'est de descendre dans la carrière de cristal. Sur ta route, tu risques fort de tomber sur ma dernière invention, les portastrophes. N'hésite pas à les utiliser, ce sont de véritables trésors d'ingéniosité. Bien, mon garçon. Pour résumer, ta mission consiste à descendre au fond de la mine pour empêcher les boues de faire ce qu'ils font. Apou! Mamma mia! Ouais, clairement, le roi Boo est dans le coup. Bon, c'est pas un gros spoil, hein, je vous le dis. Il est sur la jaquette du jeu, il est sur le chargement. On le sait. Quant au cristaux, moi, bon, j'en ai un peu discuté, mais j'avais plus ou moins compris que c'était pas naturel tout ça. Attendez, que dit la carte? Ouais, ok. Bon, je regarde, mais ça vous avancera pas à grand chose de la voir. Bouge de là, la poule de poêle. Approchez mémé, là.
Ça va bien que je trouve le bout aujourd'hui. Quand dites-vous? Tiens, toi, je vais te foutre au feu, là, la pelote de laine vivante. Même pas ça me rapporte des sous, quoi. Tout ce qu'elle fait, c'est s'ébouriffer. Ouais, j'ai encore des trucs à faire fondre, là, non? Aucun intérêt. Alors, je suis un petit peu... livré à moi-même. La direction à prendre n'est pas évidente, c'est pas marqué dessus, c'est pas le port salut. Ouais. Je suis pas certain de la nécessité de sortir par là. Mais dans le doute, on va le faire. Truc là, non? Bon, on dirait que le match de hockey c'est fini. Peut-être qu'on peut le refaire, attendez. Et oh, voilà. Ah, mais même pas, je peux aspirer cette neige. Bon, c'est resté en l'état de la dernière fois. Bon, j'aurais pu passer par l'ascenseur, hein, même le fait qu'il monte directement tendait, je pense, à nous indiquer qu'on pouvait l'emprunter. C'était même recommandé. On va bien voir si je peux me laisser tomber ici, on dirait pas. Hein. Non, la salle est condamnée, je suis venu un peu ici pour rien. Ça sert à rien d'essayer de choper les poissons. Ok, on perd du temps, mes amis. C'est pas grave. On a tout le temps devant nous. Tiens, c'est quoi ça? Et... ah oui, c'est une hache, ok. Ouais, bah heureusement qu'il n'y a pas de boue pour nous frapper dessus avec. Puisque ça, qu'on se le dise, ça me plairait moyen. Moyen, genre pas vraiment beaucoup, quoi. Ah, on les briefe direct quand on fait ça, c'est rigolo. Non, vous êtes sérieux, il y a même pas de thunes dans ce niveau, mais c'est quoi ça? On va choper les peaux d'ours. Bon allez, dégage là. Et le machin, il a poids d'amis, il m'a pris pour son pote. Ils ont un faux air de Fuzzy, je sais pas si vous voyez les Fuzzy, les espèces de boules de poils chelous là qui tournaient dans tous les sens. Ils sont apparus dans Super Mario World, je crois. On les a revus hein, sur les derniers opus, dans les New Super Mario Bros. Ah là, ce coup-ci, je vais choper ça. Le truc que j'ai pas fait la dernière fois et que j'étais un peu dégoûté de pas avoir pu le faire. Ah, ça me ramène là. Et je repars, ok. C'est pas vraiment ce que je voulais. On peut se tourner, on peut se balancer, c'est sympa. Hmm? Ah ouais, la bestiole nous remet ça dans le tonneau, on s'en fout, on l'a déjà fait. Aucun intérêt! Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici? Hé, hey, pep. J'aime pas les survivants, vous le savez. Toujours sympa, cette petite musique, hein. Je l'aime beaucoup. Y a-t-il seulement des bouts dans ce niveau à la con? Et toi, tu comptes pas décoller un jour? Non, toi, t'es la pioche qui fait exception au reste. Ok, c'est pas grave.
Madame fait l'original, qu'à cela ne tienne, qu'on se le dise, c'est comme ça. Ok, ouais, on récupère des lingots, c'est toujours ça de prix en passant. Toujours la petite coulée du bousin, là-dedans on va balancer notre pote le toad. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose de neuf ou d'inédit par rapport à la dernière fois. Un coffre qui sert à rien, mais c'est bien sûr. Tout le plaisir est pour moi, bon. Et ben on va remonter, c'est pas grave. Il y avait une porte où on pouvait pas aller à cause de ce crétin de toad justement qui voulait pas, là, il y avait de la glace, rappelez-vous. Ça doit être par là d'ailleurs. En tout cas, je l'espère. Ouais, c'était ici. Tata, j'ai vu des bouboules. Je suis sûr d'avoir vu des bouboules. C'est une gemme ça, pourquoi je pourrais pas la ramasser? Elle était pas là la dernière fois. Allez, fille sur toi! Je suis pas sûr de comprendre, mais j'ai l'impression que l'eau disparaît. La glace disparaît. Aïe! J'ai l'impression que la glace disparaît. Non, elle se reconstitue en fait. Ouais, c'est mal foutu ça, je comprends pas comment faire. Hop, un petit lingot, ça c'est gratuit. Non, bah écoutez, on va aller par là. Hein. Je suis bien embêté pour cette gemme. Ah oui, j'étais allé par ici, je m'en souviens. J'étais même arrivé de par là, à vrai dire. Bon, bon, bon. Mais vous les saloperies, vous allez vous calmer, voilà. Hé saloperie! Voilà. Alors. Où est-ce qu'il est le boot? Ah, il est là. On va refaire sauter ça des fois que ça servirait à quelque chose. Il reste une pièce. Kaboum, kaboum, kaboum! Ah! Je m'en doutais qu'on prenait des dégâts. La dernière fois, j'étais proche et j'en ai pas pris, mais... Genre... C'est désactivé. Oh, mais non! Oh, je suis deg. Rien là-dedans. Si on pouvait foutre le feu avec ses lanternes, c'est du feu à la base. Bon, je vois pas trop l'intérêt de cette salle, à vrai dire. Croisé, bon, on y est déjà passé. Reviens ici. Bon,
On l'a perdu, mais c'est pas grave. Ah non, c'était par ici. Je suis désolé pour ce détour qui a servi un peu à rien. C'est un quart d'heure d'épisode dans le vent, mes amis. Ouh, le passage en chariot. Je le vois venir gros comme un camion. Et il y a une torche, je devrais pouvoir foutre le feu, hein. Y'a pas une mèche à faire popper, là? Non, vraiment, les gars, quoi, ils ont pas mis la mèche, quoi. Et là, le chariot va arriver par derrière. Ou alors, c'est un téléporteur. Hello, it's me. Oh, oh, yeah. Sacré Luigi. Voilà, ça j'ai bien compris. Je vais le dégeler là-bas, c'est à ça que ça servait. Voilà. C'est difficile sans la 3D, hein, de... What? Ah, elle est revenue là, ok. Ah non, j'ai eu peur, j'ai cru que je l'avais fait tomber dans le vide comme un gros pignouf. J'ai failli me fâcher tout rouge, les enfants, qu'on se le dise. Le Shiva, il aime pas bien ce genre de conneries, là. Alors, what's next? C'est un peu soporifique, par contre, comme musique, hein. Moi, je dis, faut avoir la gouache, parce que sinon... Oh, on va finir par s'endormir, ouais. Allez, la biftaille. Par ici, la money. Par ici, la money. Alors, ça sert à quoi, là? Non, celui-là, il s'active pas comme ça, à moins que le bouton soit invisible, mais non. Bon, bah, c'est parti, glissade. Ah, il nous manque la musique de ouf, là. Vous savez, la musique de Mario 64, des glissades, là. Pam 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 pam. What? Ok, ça doit être un genre d'ascenseur, ça. Pam 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 pam. Elle était terrible, cette musique. Ça va passer par là. Ouais. Et par là-bas, il y a une gemme. Bon, c'est nickel. Ouais, t'es content, c'est bien. Ok, je me disais bien qu'il y avait un bug avec ce bousin. J'ai bien fait de test. Allez, c'est reparti, on va pas rater la gemme, pour une fois que j'en trouve une. Comment on fait? Attendez, j'ai raté un truc là. J'ai pas tout bien compris. Hop là, nickel. Ça, c'était good. La petite étoile qui va bien. Et maintenant, on fait tourner ce bousin. Non, attends. On peut pas les fouiller, les casiers? Ok, on peut pas. Bon, ça a l'air solide. On met la clé.
Jusque-là, rien de bien compliqué. Enfin, je dis ça, mais je perds du temps comme il n'y a pas. Bon, que c'est quoi son problème à ce tableau? Ok, c'est un vrai tableau, pas comme l'autre. Ah mais brûle! Bon, il veut pas brûler. Ah, parce qu'en plus il faut rester. What? Allez, c'est nickel. Emmène-moi. Emmène-moi. Ok, il s'est barré en forêt. Reviens ici. Voilà. Il m'a pas rapporté de sous, mais c'est pas grave. J'ai chopé l'autre lingot, ce qui revient peu ou prou au même. Toi, t'es gelé, t'es gentil, cool. J'ai pas trop envie de te dégeler, qu'on se le dise. Tiens. La bébuche. C'est bien ce que je pensais, j'ai fait une grosse connerie. Ah non! Ah, oh, elles se sont barrées, j'y crois pas. Tiens, il y a un coffre ici que j'avais point vu. Ouais, enfin, si c'était pour ça, c'était pas trop la peine. T'as pas dû te délivrer toi, hein. T'es un peu un enfoiros. Oh. Mais c'est quoi que cette bûche qui veut pas venir? Bah, j'imagine qu'il faut fermer la fenêtre. Voilà, vous avez vu un petit peu ce champion? Brûle poisson? Si, il y a un coffre ici, c'est bien ce que je pensais. Je commence à avoir le flair, mes amis. Le flair du champion. Flair du Bounty Hunter, motherfucker. Attendez, j'avais chopé un truc. Ah bah oui, d'accord, il y avait un truc de pièce. Par ici, la monnaie. On prend ce coffre. Ouais, c'était pas très rentable, mais bon. Passons. Et pas de trace du bout, hein, toujours. Pas confiance dans ce machin. On se croirait dans l'ascenseur de la mort à Disneyland, là. Quatrième dimension. Allez, ouvrez les vannes. Non, mais s'il te plaît, Luigi. Ok, c'est dans ce sens-là. Je vérifie hein, qu'il n'y ait pas de trucs planqués dans les murs, ils nous ont déjà fait le coup, vous voyez là les pièces, hop là. Mieux vaut être sûr de soi dans ces cas-là. C'est fastidieux, mais c'est comme ça. Allez, descends. Eh! Ah, ils sont en train de transporter des cristaux. Là, il n'y a pas d'autre, c'est juste du décor, on peut pas les arrêter. Ah si! Ah mais vraiment, il a que quoi le petit pactole là? Oh yeah! Est-ce que j'aurais pu arrêter les gros bras du coup? Ça me questionne ça. D'ailleurs, je peux monter là-dedans. Non?
Ouais, et d'où je pourrais pas monter, là? C'est quoi l'arnaque? Allez, redescends, s'il te plaît, comme il faut. Ok, ça n'a servi à rien, ou presque. Bon bah, je comprends pas l'intérêt du truc. Allez, on aspire toute la neige, on récupère des sous, on spy check, que dalle. Et on n'est pas loin de l'objectif, ça c'est cool. Hop là. Et puis on est bloqué accessoirement. Bien. Je suis où là? Ah, c'est comme chez les boules, on est dans un truc invisible de chez invisible. Ce qui est plutôt curieux. Dans les cartes, y a rien. Oh, mais c'est magnifique! Je sais pas à quoi ça a servi de descendre les ampoules, mais... Peut-être qu'on peut se laisser glisser maintenant. Non, on peut rien... Oh, je comprends pas, là. Franchement, c'est abstrait, hein, un petit peu. Que nous réserve la suite? Une chaîne qui fait la corde à sauter toute seule. Et un relou. Yellow. Luigi, là. Je t'attends que je crois que c'est le profond. Deuxième coup. Regarde le cristal, il faut l'entrée. Ah, c'est important que vous reviez. Luigi qui s'en fout complètement. Conseil important. Ciao. C'est marrant qu'un pleutre pareil soit aussi je m'en foutiste. Ça concerne des trucs apparemment importants. Allez, on fait cuire la popote. Ah ouais, intéressant. Ça sert pas à grand chose ça. Ah si, c'est des masques de soudeur que les fantômes peuvent taxer. Là-dedans. Mm-hmm. Ils ont pas l'air très consentants, les fantômes qui sont dedans. Hein. Est-ce que ça tourne en boucle? Ouais, on dirait. Hein. Bah avant d'aller foutre le bordel par là... Tiens, est-ce que je peux grimper là-dessus, non? Non, c'est un chemin de sortie, ok. Pas moyen de faire tourner les engrenages non plus. Ok, bah on va aller voir la pièce du fond... Permet de redescendre. Ok. Un os. Bien ça. Bien fait de venir par là. Cette saloperie là. Espèce de gigot de chez... Ah non, c'est une corde. Je croyais que c'était des brochettes de viande. Ouais, tête. Ils sont encore là, les relous. Putain, j'aime pas ces animaux là, ils ressemblent à rien en plus.
faut pas spawner à l'infini non plus. Alors j'emmène des cailloux là-haut, mais je sais pas trop pourquoi. Oh, ils passent dans le portail, ils arrivent là, ouais, c'est super, mais... Quel est l'intérêt profond de la chose? Bah écoutez, on va remonter, on verra bien. Je sais pas trop ce que je fais, je vous avoue. De toute façon, j'ai pas de clé, donc je peux pas rentrer là-bas. Ok, alors il est pas cassé, c'est bon. Peut-être le foutre en feu. Et viser ce truc-là, voilà. Nickel. C'était pas bien compliqué en vérité. Hop. On rentre là-dedans. Oh, suspense, c'est gelé. Hey, Mickey, là. Ils sont pas croyables, ces souris. Peut-être qu'en faisant... Vous, mes petites amies... Toi, tu viens avec moi aussi. Attends, elle a cru quoi, la petite bestiole? Voilà, c'est le feu. On enflamme ça. Bien. Bah. Je peux pas juste cramer la... Le truc qui retient la clé là-haut. Ça me semblait logique, mais bon, c'est pas grave. Ah non, c'est que des cailloux ou les bûches, c'est pas assez aérodynamique. Tu peux pas tester, mec. Bon, allez, on va en prendre une. Voilà, on est content. Fous le feu. Et là, ça veut bien. Enfin, ça voulait bien. Voilà. Enfin, je dis les cailloux, c'est... Ça doit être du charbon, en fait. Ce qui expliquerait le pourquoi du comment de la chose. Sur ce, sans avoir croisé le bout alors qu'on a fait tout le niveau, peut-être qu'on va pouvoir... Enfin, on va en croiser des bouts, mais peut-être pas celui qui compte. Enfin, hop, hop, hop. Hey ! Je suis désolé, les gars, mais votre technique, elle marche vraiment pas, là. Ah si, mais... Voilà. Ça brûle, ça? Ça brûle pas. Bon. Allez, c'est parti pour le combat final de la mortitude du niveau. Parce qu'en fait, c'est pas du tout un boss, mais... Mais je sens qu'il va y avoir de l'embrouille. Ah, les fauchetons, ils se sont tirés comme des gros lâches. Et ouais, vous les reconnaissez? C'est les super! En fait, c'est comme dans Saints Row, vous voyez, c'est comme dans Saints Row 4. Là, c'est les fantômes version super-héros. En fait, ils se sont un peu entre-plagiés entre Saints Row et... Oh! Ok, il y a un chariot plein de fric. C'est plutôt sympa.
Est-ce que ça va faire pop un bout? Je ne sais pas. Ouais, mais comment les sortir de là, ces petits bonshommes? Ah, lui, il est sorti. Ok. Alors, non seulement il est sorti... Bah... Comment t'as fait ça, enfoiré? Voilà. Bon, ça va, eux deux ils sont pas trop méchants. Ouais, vous amusez à me faire peur, c'est bien. Allez hop, on embarque tout le monde dans le fourgon. CRSS style, motherfucker. Vite. Mes thunes. Voilà. J'ai réussi à tout choper, je suis content. Tout. Non, la crise de ça. C'est quoi un bout crise pour des scorpions? Erreur, vraiment, on m'avait l'air de rassembler un crise restaurant crise but. Bref, le verre en crise. En tout cas, tu as bien crise capturé ces puissants fantômes. Je suis impatient que vous étudiez, tu ramènes que ce plus vite. Et même pas, je peux allumer le... Le circuit du coup derrière là. Il y avait un warp, j'ai pas pu l'activer. Bon bah ce sera pour un prochain niveau j'imagine. Allez on skip parce que ça fait déjà bientôt 40 minutes. Ouais bah j'ai pas eu le bout, j'ai eu un grade de merde, j'ai eu qu'une gemme. Tout cela est assez décevant, ma foi. Surtout celle qui était bloquée dans la glace, j'ai pas compris comment la voir. Il n'y avait pas de source de chaleur, rien à faire, donc... À moins qu'on ait une amélioration Ectoblast Lance-Flamme of the Dead, pour cela jouer plus Fahrenheit que Ghostbuster, bah, je donne ma langue au chat. Du coup... On va pouvoir aller dans la chambre forte, ça va être cool. Content de te revoir, Luigi. Voyons ce que tu nous as rapporté. Alors, j'ai rapporté une nouvelle gemme, on s'en fout. Nouveau fantôme. Et ils ont pas compté le... Ah bah oui, on l'avait déjà capturé, c'est pour ça. J'ai bien réfléchi. Je pense que je sais d'où viennent ces fantômes plus puissants que les autres. Nous sommes presque sûrs que quelqu'un contrôle les fantômes de la Vallée des Ombres. Eh bien, à mon avis, ce quelqu'un a trouvé comment utiliser les propriétés des cristaux. Je pense qu'il s'en sert pour rendre les fantômes beaucoup plus forts. Merci, Captain Obvious. Or, il est possible que les bouts aient déjà extrait et mis de côté un stock conséquent de cristaux. J'ai peur que nous ayons à affronter de plus en plus de fantômes survitaminés. C'est inquiétant. Et le pire de tout, c'est que nous ne savons toujours pas qui tire les ficelles dans toute cette histoire. Qui peut bien être derrière tout ça? Est-ce que tu penses à ce que je pense, Luigi? Bah, je l'ai vu, donc oui, je pense à ce que tu penses. Je l'ai vu visuellement de visu, mec. Bon, on verra ça la prochaine fois, je le disais. On va aller dans la chambre forte. Et voir un petit peu ce qu'on a à nous dire sur les super pabots capturés aujourd'hui. Alors, Vallée des Ombres. Super sacripant. Les cristaux de la mine peuvent changer le sacripon le plus inoffensif en bête sauvage assoiffée de sang. Surtout, ne laisse jamais d'objets contondants à leur portée.
Bon bah il change pas trop, hein, de toute façon visuellement c'est le même, à part qu'il a ses petits machins chelous. Mais on dirait sorti ça de Saints Row, ça m'y fait trop penser quoi. Et les super gros bras. Les cristaux rendent les gros bras plus costauds mais pas plus intelligents. J'essaie encore de faire comprendre à celui-ci que mes assistants ne sont pas comestibles. Il est surtout vachement bavard, hein, parce que je parle et lui, il est en train de parler par-dessus et on lui a pas appris le respect à ce petit salopard. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Ciao ciao, portez-vous bien. En fin de semaine, pas la semaine prochaine, fin de semaine.